Bienvenue aux pèlerins réunis à l'Oratoire et à vous qui nous suivez par la télévision sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aux intentions de Jean-Claude Legault. Le Père nous parle. Mais nous ne l'écoutons pas toujours. Confions-nous alors à sa miséricorde pour obtenir ses grâces. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir l'humanité de ses blessures, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde pour nous nourrir de ta parole, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assise à la droite du Père, où tu intercèdes pour notre fidélité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre d'Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Rasson, roi de Syrie, et Péka, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. Lorsqu'on apprit au palais du roi que l'armée syrienne avait pris position en Éphraïm, le roi et son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils qui s'appelle Un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, « Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi de Syrie et du roi d'Israël. Oui, la Syrie a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et le roi d'Israël. Ils ont dit, « Marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider. » Pénétrons chez lui pour l'obliger à se rendre, et nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et le chef de Damas, ce n'est que Rasson. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie, et le chef de Samarie, ce n'est que Péka. Or, dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Si vous ne tenez pas à moi, vous ne pouvez pas tenir. Parole du Seigneur. Seigneur auteur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. En tout cas, je vous le déclare, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous au jour du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville subsisterait encore aujourd'hui. En tout cas, je vous le déclare, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi au jour du jugement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Chorazin, Bethsaïde, Capharnaüm, trois villes privilégiées par Jésus qui ont vu ses miracles sans se convertir, qui ont profité de sa bonté sans ouvrir le cœur et qui n'ont pas su reconnaître le temps de sa visite. Ils ont refusé d'écouter ce que le Père leur dit par le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, le malheur des trois villes insouciantes et orgueilleuses, c'est aussi, à certaines heures, le malheur de chacun, de chacune de nous, si souvent interpellés par la parole de Jésus, si souvent invités par sa grâce, et qui avons tant de mal à entrer dans cette démarche de conversion. La parole de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui est une invitation à la repentance et à l'engagement à sa suite. Le Seigneur est le maître de l'histoire, le seul maître du temps et de l'histoire. Et il ne désire rien d'autre que de renouveler son œuvre de libération et de salut en nous. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à nous détourner du péché et à œuvrer avec le Seigneur pour le rachat du monde. Cependant, pour nous engager sur le chemin de la conversion, nous devons accepter de nous soumettre au jugement de la parole. Nous devons accepter de sortir de nos Chorazin. Autrement dit, nous devons renoncer à notre prétention à l'autonomie et reconnaître que nous avons des comptes à rendre à plus grand que nous. Cela ne sert à rien de vouloir réussir, de compter sur vous-même, sur nous-mêmes. La seule chose qui vaille, comme le dit le passage du livre d'Isaïe, c'est de pouvoir compter sur le Seigneur. Nous pouvons toujours compter sur lui, même dans les situations les plus dramatiques. Sans cela, nous risquons fort de nous faire des illusions. Frères et sœurs, sans le Christ, nous ne pouvons pas tenir. Il faut compter sur sa lumière, sur sa force, sur son désir de nous voir près de lui. Que l'Eucharistie de ce jour nous fasse demeurer en lui, afin que nous puissions reconnaître ses passages dans nos vies, qu'elle suscite dans nos cœurs un renouveau de ferveur et de don total au Christ. Amen.
Prions ensemble au nom de fruit le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. Par le Christ, notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en parlent à la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.